Bonsoir, il fait moins grand plaisir pour avec vous pour présenter sa bulletin pour sa lundi le 3 avril 2023. Pareil l'habitude, nous voir bon point principal sa bulletin pour commencer. Proposé pour Cécil gagner la ferme photovoltaïque flottant avec capacité 7 MW et concrétisé avec signature 3 l'agrément. Représentant Cécil contre la Banque de développement africain, il a visité président Ram Kalawan State House et dit que c'est l'institution pour continuer à donner support à Cécil pour aider avec son développement économique. Fondation Zil Cécil indique que c'est 25 millions d'euros qui pour servir de projet pour éliminer cet éclairage Aldabra, pas encore finalisé et qui gouvernement pas pour contribuer dans sa somme. Rétablir l'ambassade l'Amérique Cécil qui parmi ben l'objectif nouveau ambassadeur américain qui en ce moment est basé Maurice. Nous voyons un détail sa bulletin à présent. Cécil pour gagner nouveau la ferme voltaïque l'année prochaine, ça pour un flottant avec capacité 5 MW et pour gagner installé dans la Grand Providence dans le district Cascade. Après-midi, bon partenaire dans sa projet qui gouvernement Cécil, puis aussi la compagnie Care et Vetiver Tech, tissé trois l'agrément qui pour concrétiser sa projet qui pour démarrer plus tard sa l'année. Signati, sa bonne l'accord, tu fais à bord catamaran français Energy Observer qui est un laboratoire photovoltaïque flottant. C'est un government support agreement qui couvre toute bonne relation qui peut exister avec quoi les implantations les corps Cécil. Après un grid connection agreement qui spécifie bon standard entre sa compagnie avec PUC. Après, il y a un power purchase agreement. Power purchase agreement, c'est tout qu'on a pour faire avec l'argent qui peut être sans l'en main, dépendant de la vente d'électricité sortie côte quoi pour PUC. So, il tout ça dans l'agrément financier qui devrait ça dans l'arrangement financier qui mérite d'exister entre les autres, qui quantité pour gagner payer, qui bon prix qui PUC peut offrir aux autres. Donc ça on peut finir négocier et nous finir d'accord une longue période de temps qui combien PUC pour rester courant avec les autres. Et il y en a bon l'arrangement, par exemple, si son système pas massé, etc., etc. So, il y a un bon l'arrangement financier. Alors, il y en a trois agréments qui nous besoin mettre en place. Et nous satisfait qu'aujourd'hui, nous arrivons à mettre ce bon agrément en place. D'un moment, quand la semaine passée, nous fait mettre l'Electricity Bill de l'Assemblée. L'Electricity Bill, il suppose ouvrir la porte pour bon independent power producer commence à fonctionner dans le pays, si tout bon qui fait renouvelable. Independent Power Producer, il peut signer même qualité l'agrément qui nous a développé en bas à poser avec PUC plus tard. Ça veut dire que si un autre compagnie nous fait un autre tender, il set up un plant sur le PV, nous pouvons servir ça même template qui nous pour faire négocier son prix avec PUC et après pour mettre en place un système pareil. Alors, pour nous, il y a un grand démarrage à cause pour aider nous boost devant avec sa utility bill qui nous finit faire passer l'Assemblée, avec sa electricity bill qui nous fait passer. Et que sa utility bill qui nous veut présenter à semaine, il peut aider nous en dans sa framework pour qu'une compagnie vienne présent, investir, produire et gagner la vente pour son électricité qui produit. Nous prenons un reportage plus détaillé là où ça cisé dans un prochain bulletin. La Banque de développement l'Afrique pour continuer à donner support à Cécil pour encourager le développement économique. Directeur exécutif qui représente Cécil côté la Banque de développement l'Afrique, Jonathan Nyazi Carrera, il rend une visite courtoisie, président Wevel Ram Kalawan. Aujourd'hui, M. Zazi Korira indique qui bi sa visite, ti pour informer gouvernement le bon activité qui sa la banque peut faire et FDB et le l'autre côté pour comprendre activité économique Cécil inclut priorité qui en a pour la banque développement l'Afrique capable donne Cécil plus support. Discussion were quite impressive and I really appreciate the insights I got from His Excellency the President. I was looking for getting guidance on the vision and strategy guidance of the country. I'm impressed to see where he's taking the government. Seychelles is ranked top in a number of aspects from social, governance and the political. I appreciate some of the board decision to achieve the full vaccination following the outbreak of COVID-19.
where His Excellency himself was the first African leader to get the vaccine. And this set an example not only for Africa, but also for the whole world. And of course, allowed the quick reopening of the economy. Another element we discussed with authorities, including His Excellency the President, was more opportunity for economic diversification, because currently the economy of Seychelles is depending more on tourism and fisheries, and these are exposed to external shocks. We're looking at various opportunities to diversify them. He gave us some strategy guidance and to help the bank on them. Then the role of private sector in the development of the country. We are looking at more opportunities that private actors can benefit from the bank. The bank has provided resources to the tune of $78 million, and we are discussing more of around $100 million for the next coming year, which is quite supporting the economy to keep developing. The investment opportunities include mainly unemployment, looking at some of areas like digital economy, improving financial service, which will create jobs for not the youth, but also increase the value addition for our local production. When the tourists are coming in the country, they have some other opportunity. They are not staying at the hotel, but also have other opportunities so that they are spending, stay in the country. So we discuss all these issues. They are not new to us. The government has been doing them, but we try to see how we can increase what we are doing today. Fondation Zil Cecil dit ki sa som 25 million euros ki n'gan y mentionné comme financement pour éliminer sat éclairage ou atoll Aldabra pas encore finalisé. Chairman Bordesayef Bernard George explique ki en ce moment SAIF peut faire l'étude 3 ans pour établir bon fait scientifique et ce n'est qu'après sa l'étude ki SAIF pour faire demande avec bon donateur local et international pour finance. Rosé élimine sa bonne sat et l'era. Il dit que ni gouvernement ni SAIF pas pour contribuer de sa somme 25 millions d'euros qu'il a proposé. Aldabra est un atoll avec 4 îles y est patrimoine mondial. Beaucoup recherches scientifiques qui prend place là-bas avec bi soutenir et améliorer l'écosystème sa atoll, mais aussi comme une base d'information pour communauté scientifique mondiale. Il y en a l'era, tous les 4 îles, satisfait le sang en plus grand. SAIF a décidé pour éliminer sa bonne sateclera à cause de dévaster bonne l'espèce qui trouvait le satol, oiseaux, crabes, disait fait petit petit torti parmi les autres. Membre SAIF, Timit président Ram Kalawan, qui est aussi patron SAIF, a joué avec sa prosée semaine passée. Et chairman board, Bernard George, qui mentionnait qu'il prosait pour éliminer sa bonne sateclera pour coûte 25 millions d'euros. Et suivant critique, le réseau social, qui sa 25 millions d'euros, c'est trop beaucoup pour un projet élimine Sateclera à Labra, M. George inexpliqué qui sa somme pas encore finalisée et qui SAIF pour faire demande avec bonne organisation internationale pour un tel financement. SAIF a créé depuis son commencement pour venir un trust qui pour autonome et qui pour self-supporting. Et ça, c'est un bon sine qua non SAIF. C'est pour sa raison qui est SAIF, il y en a, il manage des sites valides, mais il plus ou moins un qui fait un profit, d'abord il y en a qui fait un loss, alors un il subventionne l'autre, d'une façon qui tous les deux, il est capable de manager d'une façon qui n'a pas besoin de dépendre aucun l'argent du gouvernement. Donc, le gouvernement n'a pas pour dépenser aucun l'argent. SAIF pour dépenser l'argent dans son réserve et dans son income, pour faire sa l'étude, pour sa des 3 ans qui pour prend, pour nous connaître, est-ce qu'il nous pour go ahead avec, et si oui, qu'il nous expecte, il pour besoin, oui, qui manière nous pour faire l'entreprendre, ça, SAIF va dépenser. Mais là, il arrive pour faire son éradication lui-même, nous pour besoin, comment SAIF a le rôle de donation, avec bonne philanthrope, bonne NGOs, bonne organisation partout dans le monde qui paraît pour mettre l'argent de côté. Une fois que nous gagnons suffisamment de donations, là nous sommes capables d'entreprendre ce travail. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire l'exercice pour éliminer cette éclairage à Aldabra côté parmi les superficies à Atoll. Aldabra, il y a même grandeur qui m'arrive. Si vous imaginez demain,
ou tu envie éradiquer tout ça avec tous les rats le maré et maré tu n'as pas aucun du monde qui reste là et où tu besoin commence depuis dans le nord pour le finir d'acide et faire ici qu'il touille tous les rats tout ça ou va voir qui grande est l'entreprise ça il peut mener en plus que ça Aldabra et il y en a une quantité corail, il y en a trop corail, il pas la terre simple partout, qui est facile pour mettre bête ou bizarre dans bon tour, etc. Et finalement, il y en a une quantité manglier Aldabra, côté bon les rails, vivent ou besoin d'entrer dans sa bonne manglier, qui désasse même zot un peu de la terre, un peu dans de l'eau, pour faire essayer qu'il sa bête y arrive un peu partout. C'est quelque chose que nous sommes capables de faire, c'est regarder ce qui nous coûte. Devant les autres instances continentales, éradication, guetter combien coûtait à peu près par kilomètre carré pour faire un betting, multiplier par sa quantité de kilomètres carrés qu'il y en a, et ça c'est 155 kilomètres carrés la terre qui nous besoin couvrir l'eau d'abord, et on arrive à sa prix. L'étude 3 ans qui SAIF peut faire pour aider à établir, par exemple, la quantité de monde qui peut besoin pour faire ce travail, qualité de la trappe ou bien la boîte qui peut servir, et bien si, quantité de sat et les rats qui en ont. Il y en a qui dans mangrove, et sa bonne population dans mangrove, zot plus gros, zot plus petit, ça nous connaît. Et à cause nous connaît qui là, parce qu'il y en a nourriture, tout le temps, avec bon petit poisson, ça qui reste dans mangrove même. So nous connaissons les rats dans mangrove, ils font plus bien que les autres les rats. Seulement pour donner nous exactement une density, ça il vraiment dépend quand les autres étaient, il y a un peu difficile à ce moment. Ça, nous connaissons en grand terre, et ça qui nous a parlé sur bon, la trace d'Adisap, l'eau d'une. Nous aussi, tout nous noir, les ébéfis, l'eau bonne, si tout aussi, les fèques et l'eau. Si ou réussi pour tirer avec ça, nous connaissons qui bon oiseau peut retourner. Et dans les cas, pareil, bon oiseau la mer, nous avons 750 plus fa population qui ou peut compter là aujourd'hui. Ça en. Et puis aussi tout, les on a plus d'oiseaux, on a plus bon nutriments qui viennent de l'eau. Et ça veut dire poisson, il peut bouger plus vite, il peut plus gros, 50% plus gros, et corail aussi tout pour bouger plus vite. L'autorité ZADEN et CAPAC, SPGA, peut faire un recès scientifique le Bantorti, aux îles curieuses pour connaître quel état de la santé et que distribution de l'île. SPGA fait ça avec l'aide de volontaires sortis de trois organisations et sont une réussite capable de masse l'information de tout orti dans des eaux. Sa bonne volontaire in aussi gagne l'information intéressante de sa espèce avec des scientifiques qui dit il pas la forme la coque orti qui fait du monde connaît si un mâle ou bien femelle. Curieuse et ces îles à part d'Aldabra côtoient y vivent librement. Zotika y introduit le ces îles en trois phases vers la fin de l'année 1970 le côté Lance Bilari. Petit à petit, Zotin fait zot semer un peu partout aux îles. Pour connaître qui existence Zotin arrivé, qui l'état zot la santé et qui zot population, l'autorité PAC exade il fait un exercice pour masse autant les formations scientifiques le sac Sabantoti. Ça t'est fait de descendre avec l'aide de volontaires. Zoukino l'équipe t'y a voir qui manier sa recette t'y peut passer et t'y l'équipe MCB qui t'y volontaire. Pour apprendre comment Zoukino peut faire un travail formidable pour faire sier que Sabantoti Zoukino épanoui dans la nature et en même temps nous aide nous visiter découvrir plus les animaux fantastiques qui fait partie qu'il tient à CCL aujourd'hui. C'est aussi une participation à l'équipe sortie contre l'assurance HSAVI et la banque APSA et qui a plusieurs informations que sa bonne volontaire a besoin de masser le saban torti. Et ils ont découvert des informations intéressantes aux autres, même bonne torti avec certaines caractéristiques intéressantes. Chaque torti a besoin de grimper. Tu besoin l'aide de 6 hommes pour lever et peser sa N premier qui est 132,9 kg. Vous avez aussi besoin de mes longueurs et claser la coque, mes longueurs de la queue et essayer d'identifier si vous êtes mâle ou bien femelle.
Sa des scientifiques qui t'y assistent les autres, Nathalie Dufresne et Cheryl de Komamo, il dit contrairement avec cette croyance, il pas la forme sur la cocodéo qui identifiait si il est mâle ou bien femelle. Most of the time, males sont la Kevin plus long, sa genitals, ils sont de halaki. Présent, si je passe ici même, en bas, il y en a des affaires concave dans l'autre. Les opions, les autres femelles, si plate, ils sont difficiles, like. Il n'a pas balance. Mais là, de comment dans notre droite loli, il faut prendre la forme sa femelle. La formation ça la que il y a pas pour nous caguer de si on est range qui nous ca dit ça femelle ça qui est mal à cause still you know how I n'a pas un range between ça ça. Même quelque chose tu besoin faire avec bonne petite tortue de parc et les bonnes qui ne fait que clos. Ça est plus petit qui nous tu vois, tu moins que 100 grammes et pas tu besoin beaucoup les doigts pour les flis. 84 grammes. Sa bonne petit-petit est encore trop petit pour identifier si c'est un mâle ou bien femelle. L'information qui est plus importante, c'est la quantité de. Est-ce qu'il est peut augmenter l'osil? Est-ce qu'il peut diminuer à cause parler de ton petit-petit dans plusieurs prédateurs? Les temps où on a une activité humaine, par exemple, nous avons un barbecue et ça y est une grande attraction pour les rats. Mais les rats, nous avons un site principal quand nous peut travailler, ils ont contrôlé à cause d'une façon pour nous contrôler les rats avec. Ben différents la trappe ou bien ben points encore mettre spécifique mais nous pas qu'à mettre la nature à cause de aussi mais aussi nous dans sa population crabe nous connaissons une réserve ici et il y a une grande population crabe terrestre et crabe qui le lance et ils ont aussi ils ont un bon prédateur le tortue le temps de 3 mois de 3 semaines nous connaissons vraiment vilain rabat cause sont la coque encore molle et facile pour les gagner manger juste pas percer. Il fait 4 ans depuis que sa recensement par encore un fait aux yeux curieux. Son résultat pour donner à l'autorité un plus bon aperçu aux autres l'État et quoi qu'il devait être fait pour plus bien porter sa l'espèce qui est une plus grande attraction aux yeux curieux. Bon, nous retournons avec bonne nouvelle. Après une visite de travail des semaines, Cecil, nouveau ambassadeur américain pour Cecil, Henry Jardine, indique qu'il a envie d'emmener un nouveau dynamisme de relation entre Cecil et l'Amérique. Ambassadeur Jardine, il souligne qu'il en son bi qui l'Amérique réouvert en l'ambassade ici Cecil, vu que pour le moment, c'est l'ambassade Maurice qui est responsable pour Cecil. Il aussi dit qu'il y a envie que l'essence entre la force défense Cecil et l'Amérique y continue à renforcer et que tous les deux pays aussi collaborent dans les autres nouveaux secteurs. Avant qu'il quitte le pays, ambassadeur Jardine, tu donnes à SBC un bilan de son visite de travail et quoi qu'il y a envie d'accomplir pendant son mandat. One thing that's very key for me is seeing how I can broaden that engagement. We've talked about how we want to have a presence here, a permanent presence, and we're very happy that we've had a senior advisor assigned here since November, Jim Donegan, and he's on the ground now representing us. But our hope is that we will have an opportunity to expand that presence and then potentially have an embassy here in Seychelles. So we're moving in that direction. If I would look for one lasting legacy, it would be reestablishing a U.S. embassy here in Seychelles, and something I hope that we can be able to do and announce fairly soon, but it's something that it's a whole of government effort. I'm not the only person in the United States government who makes these kinds of decisions, but I'm certainly advocating for that and pushing that. The other thing I would like to do is broaden the engagement in the sense of reaching out to a wider cross-section of the community. It's important for me to have the interaction relationship with the senior officials to understand what are those key issues that they're dealing with. But I think it's really important for me to get out and meet with others. And for instance, during this visit, I had a chance to go out to the Seychelles University, meet with academics there, see what the challenges they have as far as how they're trying to support educational opportunities for young people in Seychelles. Also had a chance to go out and see a project that was doing an effort to address an environmental project that was trying to replace invasive plant species with endemic plant species, and we provided some funding for that. Very excited that in the context of the university we had discussions earlier in the week, and then subsequently we were able to announce that we do now have a Fulbright scholar who's coming here, who's going to help with journalism curriculum development. These are the kinds of things I'd like to be able to do is to, in order to broaden the relationship, is to really reach out to communities, to groups, to activities that aren't sort of the traditional interactions that you think of. Because I think it's important to really understand what are the concerns for the average Seychellois. The other thing I would like to do is see how we can broaden some of our
activities, some of the programs, see how we can support educational exchanges. We do quite a bit with the Mandela Washington Exchange Program. I had a chance to interact with some of the alumni from that program. They're doing a lot of great work. Some are helping in the prisons and providing sort of occupational employment training for women so that when they get out, they have skills that they can use, they have a source of income. A big area that I think is important to focus on is on the law enforcement and security cooperation. And this week, we just completed a bilateral security cooperation exercise that was very successful. And we're also looking at how we can support law enforcement with advisors from different agencies, such as our Drug Enforcement Agency, Federal Bureau of Investigation. So we will be able to support a lot of the things that people have raised, whether it's on the law enforcement cooperation, educational cooperation, and you know, we'll continue to see how I can leverage the resources we have to support our relationship with Seychelles. Nous avons aussi causé avec l'ambassadeur Jardine, les autres actualités régionales et internationales. Sa interview pour passer dans le programme News Extra demain soir. Représentant Cécilek Maurice, il commence délibération dans la 13e session commission conjointe Cécile Maurice, la coopération bilatérale qui peut faire ici aujourd'hui et que demain, sa session peut diriger le côté Cécile par secrétaire principal pour les affaires étrangères, Vivienne Foctave, et le côté Maurice par chef département bilatéral l'Afrique dans le ministère des affaires étrangères, l'intégration régionale et commerce international, Ravindranath Somi. Zedi pendant un component ministériel qui peut dirigé par ministre Cécélois pour les affaires étrangères, tourisme, Sylvestre Adegon et ministre mauricien pour les affaires étrangères, intégration régionale et commerce international, Alain Ganou. Dans sa commission conjointe qui joigne tous les deux ans, délibération est centrée le renforce et agrandit coopération entre les deux pays. Mais à cause pandémie COVID-19, les deux côtés qui t'y joignent dernière fois pour lui en 2017, si besoin envoie votre rencontre pour Salanin. Un grand groupe d'enfants in retourne Salanin pour participer dans compétition nationale pour Eplemo. Ça a pris une absence encore à cause COVID-19. C'est le ministère de l'Éducation, ensemble avec Seychelles Centennial Women's Lions Club, qui organise la 3e édition sa compétition qui fait côté ICCS. Ça tire hier après-midi. Ça en est étudiant, il fait plus bien comparé avec bonne édition auparavant. C'était avec beaucoup d'excitation, tout de même avec un petit peu la frayeur, qui sa groupe d'enfants t'y montre le stage pour montrer son talent dans les plus bons mots. Dans la salle, bon parents, remplis avec l'enthousiasme, ont tous un petit peu souhaité qu'ils autres enfants y fassent bien. Là, Zizi tient un mot d'abord, qui l'a la table et lit sa mot pour ses enfants et plaît. So your word is hydrogen. Hydrogen. H Y D-R-O-G-E-N, hydrogen. Yes, that is correct. Sa groupe d'enfants qui n'a choisi pour participer dans sa une édition, et bonnes enfants qui fait plus bien dans les autres compétitions qui fait côté de l'école respective. C'est Kian Dawe qui est sorti premier dans sa 3e édition compétition nationale pour Eplemo. Kian est dans la classe P6, côté l'école primaire Montfleury. Il partit expecté et pour sortir premier. Today there was a spelling bee competition. It was very friendly, yet competitive, and it was a lot of fun to see new people compete against each other while making friends too. How did you prepare yourself for the competition? Well, it was a bit difficult. We got only a practice paper so we could get some words to learn and to have a feel of what it's like. I feel very happy because I was not expecting to be winning first place today. It wasn't too difficult, but it was very nerve-wracking. Directeur général pour Allied Services Education, Cyril Payette, indique que bon participant in fait plus bien sa l'année comparé avec bonne compétition qu'il fait dans le passé. Il est satisfait avec performance bon étudiant. Il y a une compétition très importante pour le ministère de l'Éducation à cause là où on spelle, on a écrit beaucoup plus bien. Et même nous parlons parfois, on a dit qu'il y a un bon mot qui bat nous.
nous fier beaucoup là ça que nous dit le computer mais nous décourage un petit peu à cause parler ou besoin faire sur compte spell bon moi cause si on n'a pas accès à un computer ou besoin créer quelque chose vite pas nous dit on the go hein c'est important qui nous gain de correct spelling avant qui nous arrive pour éliminer et bon pour les enfants il prend un net en 30 minutes ça veut dire nous peut voir qui bonnes enfants peut spell plus bien. Je profite et félicite mon école. Il y a un travail qui peut être fait pour que les enfants soient capables de spell. Ultimement, nous, les enfants, faisons plus bien les autres, écrit plus bien, plus confident. Mais aujourd'hui, nous voyons, nos bons enfants, il y a une quantité de talent pour venir là devant pour être capable de speller un word, parler. Une bonne moitié difficile, en bas, tout ça, bonne pression, il est impressionnant pour moi. Seychelles Centennial Women's Lions Club in travail pour support habilité pour lire et écrire dans le pays. Président Saklib, Anitha Raj Khan, y senti que sa bonne enfant zot tous zot bon gayan. The children are a bit nervous, but they are very well prepared by the English teachers at the school level. They encourage them, they are here with good knowledge and as you see they are very happy to be a part of it and they are enjoying it. For all the participants, because they are already the winners from the school, they are only the two participants coming from each school, so they are already winners. So even in my heart or the persons who are sitting in this auditorium, in their hearts, they are already the winners. En tout, 54 étudiants, l'âge 9 à 12, sortis de 27 l'école primaire à travers Mahé, Pralé et Ladig, ils participent à sa compétition. Il y en a trois ministres, le programme travail l'Assemblée nationale demain et après-demain, dirigeant l'opposition Sébastien Pilet pour demander ministre pour l'investissement, l'entrepreneuriat et l'industrie, David Cavidot, qui plan gouvernement pour sa bande d'immunes qui vendent manger les autres, qui d'après comprend, Inga est demandé pour sortir dans sa l'endroit Côte Tifé Regatta. Ministre pour finances, planification nationale et commerce, Nadji Hassan, pour répondre question le bande 6 concernant son ministère et aussi en question séparée, le cryptocurrency. Ministre pour l'agriculture, le changement climat et l'environnement, Flavien Joubert, pour faire une déclaration, le tarif électricité. Et aussi en un projet de loi, Utilities Regulatory Commission et qu'en motion, le agenda, l'Assemblée nationale. Pour sa semaine. Nous avons une correction que nous sommes contents de faire. En fait, c'est M. Radley Weber et non pas son frère Norman Weber qui est chairman board, directeur de l'école Independent. Pareil, nous avons dit dans un reportage la cérémonie graduation étudiant élève à l'école qui est fait samedi soir et nous demandons l'excuse pour ça. Et voilà, nous arrivons à la fin de nos bulletins. Merci pour l'attention. Mais encore un petit moment où vous êtes capable de suivre nouvelles sports. Et un petit peu plus tard, venez comme ça. Aujourd'hui, lundi, nous avons nos programmes tête à tête.